voir. Ça, c'est chacune des tournées en format A3. Ah ouais. Et là, vous avez le plan général. D'accord. Selon de chacune des 8 tournées, puisqu'en fait, on a 8 tournées. D'accord. 8 tournées de 100 adresses maximum. Donc, ce sera des tournées 15 à 22. D'accord. Puisqu'on a fait déjà 14 tournées sur les précédentes, sur les 3 distributions précédentes. Ah, c'est bien. C'est des tournées de 100, c'est ça? Voilà, c'est ça, à peu près. C'est 100 maximum. Oui, tout à fait. Les enveloppes sont là, sont prêtes. Et puis, sur chaque enveloppe, je la remettrai au moment. Je cache le nom, mais il y a le nom, l'adresse, le nombre de masques, les étapes. Et les numéros de téléphone pour les commerçants, on leur distribue 10 masques chirurgicaux, 2 masques en tissu et une information sur de la mairie pour leur donner quelques orientations. Et ça permet de faire un démarrage de leur retour d'activité. Ce sont des kits pour les couturières bénévoles de la ville, volontaires. Ça, c'est par exemple un kit qui va permettre de faire 36 masques. Donc il y a l'élastique, le fil et du tissu adapté aux normes AFNOR avec un plan qui est fourni, un guide, un papier, qui permet de guider justement celles et ceux qui ne sauraient pas faire. Donc il y a un élastique et nos services techniques en fait découpent le tissu avec ce patron-là. En gros, ils ont un cadre, ils découpent le tissu et ils fournissent également l'élastique, voilà, la bobine, et ça permet vraiment de créer ces kits-là qui sont ici, qui permettent, qu'on met ensuite dans des sacs, bon c'est pas très joli, c'est des sacs poubelles, mais normalement, ça permet d'avoir un sac, un kit pour les couturières. Et après, on récupère sous ce format-là, en gros, des kits avec les masques qui ont été réalisés. Ça, c'est presque 5000 masques qui ont été faits par des volontaires, des couturières volontaires. Et sur l'échelle de la ville, c'est centaines de couturières. Écoutez, on a mis plein de choses en place, hein, une unité Covid qui permettait d'accueillir et d'orienter les malades ou ceux qui pensaient l'être. On a mis en place le portage à domicile des médicaments pour les plus fragiles. On a mis en place avec nos amis bénévoles des visières solidaires une usine éphémère d'impression 3D de visières permettant de protéger les soignants mais aussi les autres. Bref, plein de choses. Hein. On a travaillé avec les commerçants, avec le marché pour mettre des paniers, proposer des paniers repas. Permettre aux Chélois de faire leurs courses à domicile, permettre aux Chélois de faire leurs courses au CHL, d'avoir aussi pour les plus fragiles des paniers, des livraisons de repas à domicile, mais aussi des repas à domicile pour ceux qui n'avaient vraiment pas beaucoup de difficultés. On a mis en place aussi, et je pense que c'était c'était vraiment important, des appels pour les seniors, pour vérifier qu'ils aillent bien dans cette crise délicate et difficile, et longue souvent avec le confinement. Bref, plein de choses qui nous ont permis de traverser et de traverser encore cette crise au mieux, le moins gravement possible, bien évidemment. On a travaillé aussi sur le portage des masques. Vous savez que les masques, c'est une vraie problématique. Les masques en tissu, tout le monde s'inquiétait de savoir comment on pouvait bénéficier, notamment avant le déconfinement, d'un masque. Et on a travaillé justement assez vite pour commander des masques en tissu dès le début avril, pour les recevoir fin avril et pour pouvoir commencer à les distribuer en 2 étapes. Première étape, dès que les premiers masques que nous avons reçus, on les a mis sous pli et on les a envoyés par la poste aux seniors qui les ont reçus une dizaine de jours plus tard. Mais le premier masque, en tout cas, était pour nos amis seniors qui avaient plus de 60 ans pour que il n'est pas besoin de sortir de chez eux ni de faire de démarches pour recevoir les masques. On continue à en donner parce que forcément, il y en a qui n'étaient pas sur la liste, mais ça continue à avancer. Et deuxième étape, dès le 2 mai, on a commencé à distribuer les masques en porte-à-porte à ceux qui avaient commandé des masques par Internet en fournissant les documents nécessaires pour prouver qu'ils sont bien chez eux et la composition de leur famille, mais aussi par courrier pour certains qui nous avaient déposé les formulaires. Et ça nous a permis de distribuer au total 25 000 masques déjà au moment où je vous parle, aux Chélois, et ça continue tout à l'heure, d'ailleurs cet après-midi, mercredi, on va encore faire une nouvelle tournée, puis une nouvelle le week-end prochain, pour fournir les masques en tissu, le premier masque en tissu aux Chélois, offre qui viendra se compléter dans les semaines qui viennent par les masques du département qui seront également distribués aux Chélois.